Yo les rageux, c'est Skippycraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de notre let's play sur Subnautica. Alors j'ai fait pas mal de hors caméra, une grosse demi-heure à peu près. J'ai défarmé des ressources, mais quand je vous dis que j'ai défarmé des ressources, donc j'ai eu plein de diamants, plein d'itium, plein de magnétite, mais comme si ça se limitait à ça. Plein d'or, plein de diamants, voilà. Je suis allé dans la caverne des arbres, des champignons gelés, donc le biome un peu mauve et rose, on trouve les serpents. Et du coup les amis, pourquoi est-ce que j'y suis allée? Parce que j'aimerais bien me faire l'amélioration des bonbonnes d'air. Pour ça il me faut un réservoir O2 haute capacité et 4 lithium. Bien évidemment j'ai tout ça, j'ai mon réservoir ici. Hop, on le retire. Il nous faut 4 lithium, 1, 2, 3, 4. Et voilà les amis. On améliore. J'ai hâte de voir combien de temps on va pouvoir respirer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. 225 secondes. Je peux en faire deux, non? Ah ouais, non. Et ça, je t'en mets de quoi, là, alors? Bon. C'est déjà pas mal. On peut respirer beaucoup plus longtemps. Ça, c'est top. Pour les palmes chargées, qu'est-ce qu'il nous faut, au fait? Kit de câblage, palmes et polyaniline. Ok. Comment est-ce qu'on fait de la polyaniline? Bon bah il semblerait que je n'ai pas encore débloqué le craft. C'est pas grave, je ne sais juste pas comment est-ce que je vais pouvoir le crafter. Et aussi les amis, vous êtes nombreux à me demander, pas dans les commentaires, mais dans mon Discord ou alors en appel, de me demander quand est-ce que tu vas faire le Cyclops. Le Cyclops est un vaisseau qui va me permettre de transporter apparemment le Simos. Oui, un vaisseau dans un vaisseau. Et pouvoir être presque invincible et aller à de très grosses profondeurs. Le truc, c'est que regardez, il faut encore plein de trucs. Et donc du coup, on va faire une petite ellipse. On va aller chercher, ne serait-ce déjà que les fragments de Cyclops. Et on verra bien ce qu'il nous faut pour le crafter. Je vais voir sur le wiki. A tout de suite, les amis. Ok, les amis, je viens de me renseigner sur le wiki. Il semblerait qu'en plus du schéma de pont de Cyclops, où il ne me manque plus qu'un seul, que j'ai déjà le moteur, pour débloquer ça, il faut que j'ai le tout. Et il me manque aussi trois, que je n'ai pas encore débloqué du coup, schémas de coque de Cyclope. Du coup, les amis, pour se rendre, pour pouvoir avoir les schémas, il faut se rendre dans la forêt des arbres champignons, qui est près de l'Aurora, donc près du Léviathan, les amis. On est déjà allé plusieurs fois, rappelez-vous. Du coup, les amis, petite ellipse, on se retrouve quand j'y suis. À tout de suite. Ok, les amis, je suis dans la forêt des arbres champignons. Les fragments, je peux pas les manquer, en gros, ils sont énormes. Genre, c'est peut-être même ceci. Le truc, c'est que je suis partie de nuit. Donc j'espère que ça va pas être trop hostile. Voyons voir ce que c'est. Ah, chambre d'immersion, je l'ai déjà. Mais bon, ça nous fera du titane. On risque d'en avoir besoin pour le Cyclops. Ok. Ouais, on n'y voit rien du tout. Ah, j'espère vraiment trouver tous les fragments. Hein. Ouais, je suis à la limite d'un biome assez dangereux, rappelez-vous. Ouais. Les amis, regardez! Fragment de pont de Cyclops! C'est le dernier! Voilà, on l'a terminé. Le truc, c'est que maintenant, il nous faut les fragments de coque. Et ça, c'est une autre chose. Attendez. C'est quoi ça? Ah, c'est un fragment de pont encore. Il y en a plusieurs. Ouais. J'entends le Léviathan. Ouais. Le Léviathan n'est pas loin en plus, les amis. En fait, qu'ils ne viennent pas par ici. Il vient de là-bas. Oh mon dieu. Oh! Ce serait pas ça? Dis-moi que c'est ça, s'il vous plaît. Fragment de coque de Cyclops. Let's go! Combien il en faut? 3? 1 sur 3. Ok. Là, les amis, on est dans le bon biome, hein, la preuve. Donc, on va essayer de tous les trouver dans cette vidéo. On fera la liste de courses. Et pour le prochain épisode, on le craft. Ça fera plaisir à plus d'un, je pense. Ouais, et mon Simos prend beaucoup de dégâts. Parce que je sais pas conduire. J'ai entendu un rugissement. Je ne vois rien du tout. Je n'aime pas la nuit dans ce jeu. Enfin, oh! Oh! Deux l'un après de l'autre. Parfait. Ok, donc ça ressemble à des quadrillages comme ça. 2 sur 3. Allez! Plus qu'un fragment de coque, les amis. Et on pourra crafter le Cyclops. Oh mon dieu! J'ai tué un de tes congénères en 5 coups de couteau. Fais pas le mal avec moi.
Bâton lumineux. Je sais pas si je l'avais déjà. Je ne l'avais pas. Oh, sabre laser. Qui ne va pas faire beaucoup de dégâts, à mon avis. Bon, voilà. Le deuxième fragment de bâton lumineux. Ma foi, ça complète un peu notre inventaire. Ah ouais. Ah ouais. Un petit volcan à côté. Ah mon dieu. Je suis beaucoup trop loin. Je suis beaucoup trop loin de mon Nautilus. Non. Non. Je vais encore mourir. Je suis à 60 mètres, c'est beaucoup, c'est beaucoup. 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres. 10 mètres. Quoi? Je suis vraiment pas mort. J'ai envie de pleurer de joie. C'est quoi cette chance? Mon dieu. Vous verriez ma tête en ce moment. Oh, une boîte de données. Qu'est-ce que c'est? Léger réservoir à haute capacité. C'est quoi? Ok, on a le pont. Plus qu'une coque, les amis, mais... Ouais. Je sais pas si c'est mieux. Bon, les amis, j'ai fait tout le tour de l'épave. J'ai pas l'impression qu'il y ait une entrée dans celle-ci. J'ai pris tous les fragments que je pouvais. Donc, on va continuer notre expédition. Pour les fragments de coque, on va profiter que c'est le jour. Mais mon personnage, c'est fou, il a tout le temps soif. Hein. Je m'étais mis un 60 avant la vidéo, pour être sûr. Mais non, monsieur a déjà soif. Bon, profitons du jour, trouvons ce fragment. Allons faire la liste des courses et on est parti. Je voudrais bien le trouver avant de crever de soif, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible? J'ai pas envie de faire un aller-retour à la maison, j'ai trop la flemme, c'est loin. Bon les amis, j'imagine que vu que je le trouve pas, je vais être obligée de refaire un putain d'aller-retour à la maison parce que je vais commencer à crever de soif encore. Cette forêt est trop grande. Mon dieu, c'est souvent quand c'est le dernier que tu galères le plus. J'en ai eu deux, presque l'un à côté de l'autre, et là j'en ai plus. Bon du coup les amis, pas le choix, peut-être aller-retour forcé à la maison. J'avais 62, c'est parti en 20 minutes. Donc, on se retrouve quand je serai revenu au biome champignon. A tout de suite, les amis. Les amis, je commence déjà à crever de soif. Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, j'ai des... Ah. C'est assez? Oh, non, il en a jamais assez, voyons. Ouais, j'ai dû revenir dans mon ancien lifepod, vous vous rendez compte jusqu'où ça va? On se prend un petit kit, allez hop. On se fait le plat. Voilà, je suis à 80, vous allez voir qu'avant la fin de la vidéo, je vais être à 20. Mais c'est toujours comme ça. Allez, j'y retourne. Les amis! Regardez, je viens juste d'arriver au biome champignon, qu'est-ce que je vois? Je le vois. Oui. Youpi. Cyclops, on l'a débloqué. Débloquons. Alors, allons voir la liste des courses. Il est là, bon. 3 lingots de plastacier. Acier. Oh, c'est extrêmement cher, c'est genre 30 titanes. 3 verres émaillés, donc il me faut 3 dents de rôdeur. Kit de câblage avancé, je sais pas ce qu'il faut. Lubrifiant, plomb. Écoutez les amis. C'est cher sans être cher. On retourne à la maison, on fait l'inventaire. Prochain épisode, on va chercher tout ce qu'il nous faut. Et on se crasse le Cyclops. A tout de suite, les amis. Ok, les amis. Je suis arrivé à la maison. Ouais. C'est un désespoir. Bon. Faisons le titane. Ici. Faisons les lingots de plastacier. Donc il va me falloir... Silicium, mon dieu, j'espère que je les ai. Donc déjà il me faut 3 comme ça. Magnifique, il m'en manque. Bon, dites-moi que j'ai du titane encore ici, s'il vous plaît. Non, pas là.
Ouais, mais ça va pas suffire. Hop. Un deuxième. Ok, donc il va me manquer 6 titanes pour le moment. Et il me faut silicium alors. Et j'en ai 1, 2, 3, 4. 5, 5. Il va m'en falloir un seul. Mon Dieu, j'étais dans le bon biome en plus. Eh, regardez les amis, je viens de trouver ça. Donc c'est le truc que j'ai trouvé, que j'ai trouvé les fragments. Et regardez, c'est pas mal en fait ça. Je pense que je vais m'en crafter quelques-uns. Ah, pour le kit de câblage avancé, qu'est-ce qu'il me faut? J'en ai pas encore fait ça. J'ai fait un kit de câblage normal, moi. Kit de câblage, kit de câblage, circuit intégré, or, de or, ok. Donc il me faut 2 minerais d'argent. Et ceci est 3 or au total. Ok, ça va, on a tout ça. De l'or, j'ai plus que ça. 2 minerais d'argent. Il va me falloir du verre normal aussi. Petite liste de courses, on l'a fait. Alors, un kit de câblage normal. C'est une blague? Fabricateur hors tension. Oh! Oh les amis, regardez, j'ai 3 budgets des crafts. Puissance 1 sur 75. Et comme c'est des trucs solaires, je dois attendre le jour. Bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prochain épisode, on fait tout pour se craft le Cyclops, les amis, le magnifique Cyclops. Et on partira en exploration. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on va faire avec ce Cyclops. Suspense au prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir, et à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi aussi votre petit avis en commentaire sur ce que vous pensez de ce let's play. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'est mon tété Skippycraft et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.